Je l'ai écrite pendant une nuit. Je me suis inspiré de souvenirs. Je me suis inspiré d'une histoire d'amour que j'ai vécue, une histoire pleine de passion, une histoire très romantique qui m'a énormément marqué. La musique, elle est romantique, la musique, elle est passionnée, elle exprime une femme amoureuse, peut-être mystérieuse, c'est une femme qui a un secret, qui recherche qui elle est. Au début, je pensais faire une version piano plus violon, mais à la fin, je me suis rendu compte que le piano exprimait parfaitement l'idée romantique du parfum. Le piano, c'est un instrument complet qui exprime tout type d'émotion à lui seul. Il n'a pas besoin d'autres accompagnements. Et je pensais que ce parfum au caractère très spécial s'exprime tout seul. Alors le piano, lui, pouvait s'exprimer aussi tout seul et de manière très pleine. Mon père, José Eisenberg, m'a également transmis les valeurs de la passion, de la beauté et de l'amour pour la femme. Réunir toutes ces émotions était donc très naturel pour moi.